Paralyzed and possessed by crusaders' deceit. Bound by the science that lives on. Alors, ce que nous présentons ici, c'est un ensemble de réalisations qui ont été faites avec l'imprimante 3D. Nous avons fait ce petit exercice de style de voir comment les makers pouvaient appréhender la personnalisation d'un boîtier. Et donc, nous avons conçu au sein du lab une petite pièce qui se rajoute au boîtier, qui est entièrement imprimée avec l'imprimante, et de manière à customiser son PC avec un anneau de couleur. On imprime des matières de plus en plus rigides. Et ce qui va se démocratiser surtout, c'est la facilité d'utilisation. Une pièce comme celle-ci, par exemple, nécessite aujourd'hui 3 à 4 heures d'impression. Les gros progrès vont être la rapidité d'impression, je pense, et puis les coûts de plus en plus bas. C'est une technologie abordable. Au moment où je suis rentré dedans, il y a eu l'immersion totale et j'ai eu peur en fait. Sur le coup, ça, j'ai vraiment senti que j'étais en hauteur et que j'allais mourir. J'attendais des sensations qui étaient proches de la réalité et c'est vrai du coup que je suis pas déçu. Oui, c'est quelque chose que je conseillerais avec d'autres personnes sans aucun doute.